Hartelijk welkom op deze webinar, deze activiteit van de Universele Stichting. En dit in de hoop dat we binnenkort opnieuw fysiek kunnen samenkomen in onze instelling. L'activité d'aujourd'hui est une suite au webinaire du mois passé sur la situation lors de la pandémie de la peste à tourner au Moyen-Âge. Cette fois-ci, il s'agit de la pandémie de la grippe dite espagnole au début du XXe siècle, à la fin et juste après la Première Guerre mondiale. Onze ouders of grootouders hebben het inderdaad meegemaakt dat onmiddellijk na de rampzalige Eerste Wereldoorlog een nieuwe ramp de wereld heeft getroffen, namelijk de pandemie van de zogenaamde Spaanse griep. Deze activiteit, dames en heren, over de Spaanse griep, 100 jaar geleden, geeft ons ook de gelegenheid enige aandacht te besteden aan de 100ste verjaardag van de oprichting van de Universitaire Stichting. Zoals de Spaanse griep min of meer voortkomt uit de Eerste Wereldoorlog, is ook onze Universitaire Stichting in zekere mate een gevolg van de Eerste Wereldoorlog. En effet, comme nous commémorons le centenaire de la grippe espagnole, nous commémorons aussi en 2020-2021 le centenaire de la création de l'origine de la fondation universitaire. Cette fondation a été créée en 1920 grâce aux activités d'aide pour notre pays pendant la Première Guerre mondiale par le futur président américain Herbert Hoover et par le futur ministre d'État belge Émile Francky. La Fondation a commencé ses activités en 1921, mais à cause de la pandémie actuelle, il ne nous est pas possible d'organiser les activités de commémoration que nous avions voulu organiser. De Universitaire Stichting tracht ook nog vandaag de missie gesteld door haar stichters te vervullen, namelijk op een of andere manier het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. De manier waarop dit gebeurt is in de loop van de 100 jaar sterk veranderd, aangepast aan de omstandigheden en vooral met het oog op de complementariteit met andere organisaties. In het bijzonder trachten we de doelstelling te vervullen de contacten tussen academici en wetenschappers over de taalgrens heen te stimuleren. Maar komen we terug tot de activiteit van vandaag. Deze webinar over de Spaanse griep zal worden ingeleid door professor Isabel de Vos van de Universiteit Gent en la professeure Sophie van Wambeke de l'UCL Louvain. Professor Isabel de Vos is historica en demografe. Zij is als oogleraar verbonden aan de vakgroep geschiedenis en is coördinator van het Ketelet Centrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek aan de Universiteit Gent. In haar onderzoek richt ze zich op sociaal-economische thema's, de thema's van de vroegmoderne tijd en de late 19e eeuw, met een bijzondere focus op demografie, gezondheid en levensstandaard. La professeure Sophie van Wambeke est géographe de la santé. Elle est professeure au sein de l'école de géographie et du centre de recherche Georges Lemaître pour la terre et le climat à l'UCL Louvain. Sa recherche porte sur la géographie des malades telle maladie infectieuse comme manifestation des interactions spatiales entre les sociétés humaines et leur environnement. Les deux orateurs parleront chacune dans leur langue. Après les exposés, nous aurons une session Q&A, questions et réponses. Vous pouvez introduire des commentaires et des questions dans le chat ou lever la main de manière électronique après les exposés.
Vous pouvez formuler vos remarques, questions en néerlandais, en français ou même en anglais si cela vous convient. Dames en heren, ik geef u dan ook nu graag het woord aan professor Isabel de Vos, die het eerste deel van de uiteenzettingen voor zich zal nemen. Professor de Vos. Dank u wel. Ik zal mijn scherm delen als dat lukt. Ik ga hier. Zien jullie mijn scherm? Prima. Ja, oké. Okay. Dus Sophie zal straks de epidemiologische achtergrond en de evolutie van de Spaanse griep in de mondiale context bespreken. Ik ga mij vooral richten op de Spaanse griep in België. Wat weten we daarover en vooral wat weten we nog niet? Dus ik zal starten met deze grafiek. En deze grafiek toont het bruto sterftecijfer in België tussen 1804 en 2020. Dus het is belangrijk om naar die grafiek te kijken om een beetje te zien waar we die Spaanse griep in de evolutie, in de demografische evolutie van België kunnen situeren. Dus de grafiek start hier op 1804, 2020. Het is het bruto sterftecijfer, dus dat betekent dat we rekening houden met het bevolkingscijfer, met de evolutie van het bevolkingscijfer. Wat we onmiddellijk zien hier in die grafiek is dat COVID-19 eigenlijk slechts voor een kleine verhoging van het sterftecijfer zorgt. En dit heeft uiteraard te maken met de maatregelen die we hebben genomen. Maar je ziet uiteraard het grote verschil met de 19e eeuw, waar we verschillende cholera-epidemieën hebben gekend, tyfusepidemieën en ook een grote pokkenepidemie in 1871 als gevolg ook van de Frans-Duitse oorlog. En de Spaanse griep zie je uiteraard hier in het midden. Gaat gepaard met de Eerste Wereldoorlog. Die veroorzaakt dus een duidelijke piek, een duidelijke verhoging van het sterftecijfer. Dus we zijn gegaan van een situatie met een hoog sterftecijfer van een 25 à 30 per 1000 naar vandaag een laag sterftecijfer van ongeveer een 10 per 1000. Dus we zitten eigenlijk te midden met die Spaanse griep, te midden van de sterftedaling, als we dat kijken op de lange termijn. Gaat uiteraard gepaard met de Eerste Wereldoorlog. En we zitten ook in de zogenaamde epidemiologische transitie. En wat is die epidemiologische transitie? Dat is eigenlijk een overgang van een situatie waarbij de meeste mensen sterven aan besmettelijke ziekten. Zoals in de 19e eeuw was dat tuberculose, cholera en tyfus en pokken ook nog. En dan gaan we over naar een situatie in de 20e eeuw, waar de meeste mensen sterven aan hart- en vaatziekten en kanker. Dus we zitten eigenlijk met die Spaanse griep te midden van die overgang, te midden van die epidemiologische transitie. Nu, wat weten we over de Spaanse griep in België? Er zijn veel publicaties uiteraard gedaan over de Eerste Wereldoorlog, maar daar komt eigenlijk de Spaanse griep ofwel heel zijdelings aan bod, ofwel niet aan bod. Bijvoorbeeld in het referentiewerk van Sophie de Schaapdijver over de Grote Oorlog wordt die Spaanse griep niet behandeld. Er zijn een aantal mooie theses gemaakt over de Spaanse griep, onder andere aan de UCL van Benjamin Brulaar, die zich gebaseerd heeft op oorlogsdagboeken, onder leiding onder andere van Sophie. Het is een mooie thesis, een thesis gedaan over de pers, dus nieuwsartikels in de kranten in 2017 aan de Universiteit van Antwerpen en ook een thesis aan de UGent die de parochieregisters bestudeerd heeft. En recent zijn er ook meer en meer lokale studies over de Spaanse griep verschenen. Dat heeft uiteraard te maken met de verjaardag van de 100-jarige verjaardag van de Spaanse griep. En uiteraard ook met de actuele relevantie van de COVID-epidemie. Dus er zijn een aantal studies verschenen, bijvoorbeeld voor Oostende, een mooie studie door Luc François, voor het Zwingebied door de Meester en Huis. En er zijn ook nog een aantal andere lokale studies. Op internationaal vlak, als we kijken naar de internationale studies die gedaan zijn over de Spaanse griep, dan zien we eigenlijk dat er eigenlijk nog weinig is gebeurd, vermeldingen zijn van België. Dus wat er is gebeurd is goed gedaan, maar het is eigenlijk heel beperkt. We hebben eigenlijk een heel beperkte kennis over de Spaanse griep in België. Hoe komt dat nu? En wel daarvoor moet ik eigenlijk eventjes een beetje de bronnen toelichten. Welke bronnen gebruiken historici om de Spaanse griep te bestuderen? Wel, de basisbron eigenlijk, als je iets wil weten over sterfte in de 19e en de 20e eeuw, dan is de Mouvement de l'État civil et de la population, dat is een overzichtsreeks, eigenlijk de beste bron. Daarin vind je per jaar, per gemeente, het aantal sterfgevallen, het aantal geboortes, huwelijken, maar ook informatie over het aantal sterfgevallen per doodsoorzaak. En ook leeftijdsspecifiek en geslachtsspecifiek. Dus dat is eigenlijk de ideale bron als je de doodsoorzaken in België in kaart wil brengen.
Jammer genoeg is die voor, door de omstandigheden, door de oorlogsomstandigheden, voor 1918 eigenlijk slechts gedeeltelijk ingevuld. Dus we hebben eigenlijk enkel informatie per gemeente over het totaal aantal sterfgevallen. Dus we weten niet over de, we weten niks over de specifieke doodsoorzaken. En we weten eigenlijk ook niet voor 1918 of dat die gegevens die we daar dan hebben in die mouvement, of dat die wel volledig zijn of dat, ja, dat die van goede kwaliteit zijn. Dat is niet het geval voor 1919, waar we meer gedetailleerde informatie hebben. Dus als we die mouvement niet hebben voor 1918, wat kunnen we dan wel doen? Dan moeten we eigenlijk naar het lokale niveau terugdalen. We moeten eigenlijk van onderuit opnieuw starten op het gemeentelijk niveau. En in België waren op dat moment een 2500 gemeentes. Dus dat is niet zo evident om dan de sterfte te reconstrueren. Dus we moeten ons dan baseren over overlijdensactes op het niveau van de gemeente. En jammer genoeg, ja, tot 2018 was het eigenlijk niet mogelijk om die gemakkelijk te raadplegen, omdat daar uiteraard om privacyreden kon je die slechts raadplegen na 100 jaar. Dus sinds 2018 hebben we eigenlijk vrije toegang tot al die overlijdensakten op lokaal niveau. En dat betekent uiteraard dat we een gemakkelijker onderzoek kunnen doen. En vandaar ook dat je nu meer publicaties ziet op lokaal niveau, omdat je gemakkelijker toegang hebt tot die bronnen. Het nadeel met die overlijdensactes is dat de doodsoorzaak daar niet op wordt vermeld. Daarvoor heb je andere bronnen nodig en dat zijn doodsoorzakenregisters. Elke gemeente is eigenlijk verplicht sinds 1851 om een doodsoorzakenregister bij te houden. Dus waar per persoon wordt vermeld aan welke ziekte de persoon is overleden. Jammer genoeg moesten die in de 19e eeuw vernield worden, dus eenmaal men... Dus dat werd bijgehouden door de gemeente. Die gemeente van in de gemeentelijke administratie werden dan overzichtsstatistieken gemaakt en die werden dan naar Brussel gestuurd. En eenmaal die overzichtsstatistieken waren gemaakt, was men verplicht om die doodsoorzakenregisters te vernietigen. En dat in de meeste gemeentes heeft men dat ook gedaan, ik denk 95%. Er zijn nog een aantal van die registers bewaard gebleven. En ik ga daar onmiddellijk op terugkomen. Dus daar gaan we wel onderzoek mee kunnen doen. Dus maar wat we hebben is eigenlijk vrij beperkt. Wat hebben we dan nog qua andere bronnen, kwalitatieve bronnen, medische rapporten? Wel, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft normaal een tijdschrift, dat is een beetje de spreekbuis voor de artsen in die periode, heeft normaal een mooi tijdschrift waar je veel informatie kan vinden per jaar. Maar in de oorlogstijd hebben die geen tijdschrift gepubliceerd. Er zijn een aantal publicaties gedaan door legerartsen, maar ook dat met betrekking tot de Spaanse griep is vrij beperkt. En als we dan kijken naar het beleid, wat heeft het beleid gepubliceerd? Wat kunnen we terugvinden over het beleid? Wel, als je de verslagen van de ministerraad raadpleegt, bijvoorbeeld in 1919, dan vind je eigenlijk bijna niks over die Spaanse griep. Als het al vermeld wordt, heeft het te maken met de maatregelen die men wil nemen in functie van infectieziekten. Maar die Spaanse griep komt daar eigenlijk niet uitdrukkelijk in aan bod. En dat geldt ook voor de parlementaire handelingen. Daar vind je geen vermeldingen van de Spaanse griep. En dan moet je weer terugdalen naar het lokale niveau, de verslagen van de gemeenteraad. Ja, voor veel gemeentes zijn er geen gemeenteraden geweest, of zijn de verslagen onvolledig bijgehouden, of slechts heel sumier. Dus we hebben daar niet zoveel informatie. Wat hebben we wel? We hebben krantenartikels, en die zijn bestudeerd in de thesis van Hendricks, en dan die oorlogsdagboeken. En daar gaat Sofie het ook straks wel over hebben. Dus de situatie is dus dat we eigenlijk onvolledige bronnen hebben, die dan uiteraard dat is uiteraard te wijten aan de oorlogsomstandigheden. En tot 2018 zaten we ook met dat praktisch bezwaar dat we eigenlijk al die overlijdensactes niet zomaar konden raadplegen en dat we eigenlijk 100 jaar moesten wachten. Maar nu is dat achter de rug en kunnen we een aantal zaken wel onderzoeken. De meest gestelde vraag is ongetwijfeld, of toch vaak gestelde vraag, met betrekking tot de Spaanse griep, is hoeveel mensen zijn nu overleden aan de Spaanse griep? Nu, vorig jaar is er in de Standaard een artikel gepubliceerd, 20 april 2020, naar aanleiding van uiteraard COVID-19. En toen stond er in de krant dat er ongeveer 300.000 aan de Belgen aan de Spaanse griep zijn overleden. Ik viel toen bijna van mijn stoel, omdat ik weet dat dat niet kan. 300.000 is eigenlijk het totaal aantal overlijdens voor 1918 en 1919 samen. Dus ongeacht de doodsoorzaak. Dus die journalist had zich op een verkeerde bron gebaseerd en dat niet nagecheckt. Er zijn wel een aantal
Schattingen gebeurd door tijdgenoten, 1919, 1920, en men schatte toen het aantal overlijdens op 20.000, maar uiteraard op basis van onvolledige bronnen. Er zijn door een aantal gezondheidseconomen en een epidemioloog een onderzoek gedaan in 2006 voor een aantal Europese landen en heeft men een schatting gemaakt van het aantal slachtoffers van de Spaanse griep. En toen kwam men voor België op 62.000 doden. En dat ligt wellicht heel dicht bij de realiteit. Als je rekening houdt met de onderregistratie voor België, maar het kan ook een beetje overregistratie zijn. We weten dus aan de tijden van epidemie, en zeker als je met een gebrekkige medische context zit, dat in tijden van epidemie soms meer doden worden toegekend aan de ziekte die de epidemie veroorzaakt dan in werkelijkheid het geval is. We weten dat nu ondertussen met COVID-19. Maar als je daarmee rekening houdt, dan kom je ongeveer op een vork van ergens tussen de 30.000 en de 80.000 doden. Dat is een grote vork, maar dat is waar we vrij zeker over kunnen zijn dat het daar ergens tussen zal liggen. Op een bevolking van op dat moment in België ongeveer 7,4 miljoen mensen. Wanneer vond de epidemie plaats? En daarvoor moeten we dus eigenlijk terugdalen naar het lokale niveau. Als we die overlijdensactes op lokaal niveau bestuderen. En ik heb hier op een grafiek gezet het aantal doden per maand. Dus dat is niet enkel de Spaanse griep, want dat weten we dus niet voor 1918, oorzaakspecifiek. Dus vanaf januari tot en met december 1918 en dan vanaf januari tot en met december 1919. Dus dat is die rode lijn. En dan heb ik op die grafiek ook een aantal vergelijkingsjaren gezet. Dus jaren die niet, waar er geen epidemie was. Dus 1912, 13, 1910. 1911 en 1908-1909. Dus want sterfte wordt ook gekend door seizoenskenmerking. Dus op die manier kunnen we een beetje de golven van de Spaanse griep herkennen in die cijfers over het aantal sterftes per maand. Dus we zien hier onmiddellijk een grote stijging in 1918, in oktober en in november. Dus dat gaat hier over Antwerpen. En we zien ook een stijging in februari 1919. Ik heb nog gelijkaardige grafieken gemaakt voor een 15-tal andere steden. Ik ga ze niet allemaal tonen, maar ik ga er wel een paar tonen. Dus hier bovenaan, ik zie dat niet door mijn scherm die erop staat. Oeps. Ik zie bovenaan, ik vermoed dat het Kortrijk is, want mijn scherm kan ik niet helemaal openstaan, maar ik voel dat het hier Kortrijk is. Dan zien we hier een heel grote stijging in oktober 1918, hier in oktober, november 1919. In Brugge zien we dat ook, maar we zien hier ook al een piek in juli in 1918. Ja, we zien hier ook al een kleine piek in Tienen, die vermoedelijk ook al te wijten zou kunnen zijn als we kijken naar de oorlogsdagboeken en literatuur die we daarover hebben aan die Spaanse griep. Ja, en we zien hier ook opnieuw 1919 maart in het voorjaar een duidelijke piek. Dan gaan we eens kijken naar een aantal andere grafieken. Dus we zijn eigenlijk op basis van die grafieken kan je een drietal golven onderscheiden. Het voorjaar van 1918. Met een lichte stijging van het sterftecijfer, dan een duidelijke piek, de grootste, waarbij het grootste aantal sterfgevallen vallen, in oktober, november 1918, en dan in het begin van 1919. Ja, maar waarbij ook de sterfte een stuk lager was. Dus die grootste piek was die tweede golf, oktober, november 1918. Dan zien we hier een aantal, we zien hier Brussel. Brussel zien we hier. Duidelijk een piek in oktober 1918 en november 1919, hier het voorjaar van 1919. Maar we zien hier ook al in de zomer een duidelijke piek en ik ga daar straks op terugkomen in juli 1918. Dan voor Verviers, dat is een van de steden waar we eigenlijk ook wel een piek zien in oktober 1918, maar dat een beetje aan alle kanten uitgaand. Ik heb ook een gelijkaardige grafiek voor Oostende, waar je eigenlijk geen duidelijke piek kan herkennen. Maar in alle andere steden, dus van de 15 die ik heb bestudeerd op dit moment, zie je eigenlijk die duidelijke
zeker drie golven. De eerste en de tweede golf is vrij beperkt, maar die tweede golf komt bijna in alle steden naar voren. Behalve Verviers en Oostende is het wat minder. We zien hier Mons, een duidelijke piek in 1918 in oktober. Maar we zien hier ook een kleine piek in het voorjaar. En Mons is wel een speciaal geval, omdat je daar een heel sterke stijging ziet van het sterftecijfer in vergelijking met andere steden. En dat zou te wijten zijn aan het feit dat Mons heel veel Franse vluchtelingen heeft opgevangen. En de hypothese daarachter is dat de Franse vluchtelingen die Spaanse griep hebben binnengebracht in Wallonië. Vandaar. Wat zijn nu de redenen voor die verschillen tussen die drie golven? Wel, in de literatuur, maar Sophie gaat daar straks meer over vertellen, wordt vooral gewezen naar een mutatie van het virus en uiteraard het feit dat de legertroepen de bewegingen tussen die verschillende golven verminderen. Die stijgen op het einde van de Eerste Wereldoorlog en uiteraard met de bevrijding en nadien verminderen de bewegingen van die legertroepen. En dan zie je uiteraard een lijn of... Wellicht heeft dat als gevolg dat die derde golf een stuk minder sterfgevallen heeft veroorzaakt. Dus als we dat op een kaart brengen, dus als we die bruto sterftecijfers bijvoorbeeld uit de mouvement op een kaart brengen, op gemeentelijk niveau, dus dan krijgen we hier het bruto sterftecijfer in 1918, maar dat is voor alle doodsoorzaken, omdat we dus in die mouvement geen specifieke gegevens hebben over de doodsoorzaak, maar je ziet hier duidelijk een oversterfte. We hebben geen gegevens uiteraard voor de Westhoek, maar we zien hier duidelijk een oversterfte in de regio West-Vlaanderen, het westen van het land, en dat wellicht te maken heeft, of grotendeels te maken heeft, met het oorlogsgeweld, maar misschien ook wel met de Spaanse griep. En we zien hier ook in de regio Namen, die ook veel Franse vluchtelingen zou hebben opgevangen, een grote oversterfte in 1918. Kijken we naar 1919, dan zien we een heel ander patroon. Ja. Dus we zien hier nog een aantal duidelijke clusters. Maar voor 1919 hebben we het geluk dat we dus gegevens hebben per doodsoorzaak. Dus we kunnen kijken naar het percentage doden dat veroorzaakt wordt door de griep in 1919. Dat is uiteraard voor het ganse jaar. En we zien hier twee grote clusters in het noorden van het land, in de regio Limburg en hier in Luxemburg. Dus in het noorden van het land heeft dat wellicht te maken met de Spaanse griep die wellicht uit Nederland komt. Want vorige week of twee weken geleden is er een mooie publicatie verschenen van een aantal Nederlandse collega's die de Spaanse griep in 1918 hebben bestudeerd. En zij zien vooral in het zuiden van het land een oversterfte in de maanden november, december. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dit te maken heeft met... een Spaanse griep die uit het noorden komt. Voor Luxemburg zou het ook wel dezelfde reden kunnen zijn, dus dat het hier uit grensgebieden is binnengekomen. Dat is uiteraard slechts een hypothese. Wat weten we nu over de leeftijds- en geslachtsverschillen? Voor België weten we eigenlijk daar nog niks over, maar er zijn een aantal mooie pistes die we aan het exploreren zijn, waar we wellicht binnenkort mee aan de slag kunnen. Maar wat weten we uit internationale studies? Wel, er is wel een groot verschil met de Spaanse griep, namelijk dat we voordien, als je kijkt naar welke groepen werden het meest getroffen door de Spaanse griep, dan spreekt men over een zogenaamde U-curve. En die U-curve zien we hier, dat is die blauwe lijn. Dus wat je hier op die grafiek ziet, is eigenlijk het sterfterisico per leeftijdsgroep. Dus hier vind je dus de leeftijd tussen 0 en 1 jaar, tussen 1 en 4, tussen 5 en 14, 15, 24 enzovoort, hier alle leeftijdsgroepen. Dus je vindt hier een hoger sterfterisico voor de kinderen en een hoger sterfterisico bij de ouderen. Dus dat is de normale situatie bij een griepepidemie of een griep in het verleden. Wat typisch voor die Spaanse griep is dat daar een W-curve komt. Ja, dus het gaat van U naar W. Dus dat betekent dat er hier een grotere verhoging is, een sterkere stijging was voor de jongvolwassenen. Hoe komt dat nu? Er zijn een aantal hypotheses voor in de literatuur. Een van de meest voorkomende hypotheses is dat wellicht deze groep eigenlijk de Russische griep niet heeft gekend. De Russische griep die vond plaats in 1889-1890. En wellicht hebben die geen immuniteit tegen de Spaanse griep. Of hadden ze geen immuniteit tegen die griep.
Dat is de eerste hypothese die wordt geformuleerd in de literatuur. Een andere is dat er een soort van onder de jongvolwassenen eigenlijk het tegenstelde, eerder een overreactie van het immuunsysteem was. En een derde hypothese is dat die griep vaak gepaard ging met andere ziekten, met tuberculose. En tuberculose is vooral kwetsbaar voor jongvolwassenen, dus dat zou veroorzaken waarom die groep specifiek geteisterd wordt in de tijd van de Spaanse griep. Dan geslachtsverschillen, daar hebben we heel gemengde resultaten voor. Dus naar gelang, als je kijkt, er zijn studies gedaan voor Noorwegen, voor IJsland, voor Canada, voor de Verenigde Staten. In sommige gevallen zijn het vrouwen die meer kwetsbaar zijn en in andere gevallen zijn het meer de mannen. Wat weten we over de sociale verschillen? Voor België weten we daar nog niks over, maar er zijn mooie zaken op komst. Wat weten we uit de internationale literatuur? Wel, de studies voor het jaar 2000 gepubliceerd gingen ervan uit dat er eigenlijk geen grote verschillen waren in sociale klassen als je kijkt naar de slachtoffers van de Spaanse griep. Meer recente studies die zie je wel een duidelijk verschil. En dat is omdat die meer recente studies kijken naar verschillende variabelen. Dus ze gaan ook niet enkel rekening houden met het beroep van de persoon die is overleden, maar ze gaan ook kijken of dat de persoon eigenaar is of huurder van een huis. Of dat er kijk ook naar de woonsituatie. Hoeveel kamers zijn er in een huis? Dus dat zijn meer gedetailleerde studies. En daar is eigenlijk de conclusie op dit moment de stand van zaken dat de eerste golf vooral de armen heeft getroffen en de tweede golf vooral de rijkeren heeft getroffen. De bedoeling is nu om in de toekomst met een nieuw project dat we hebben, dat we mee gestart zijn eind oktober, om die hypotheses over sociale klasse en age en gender, die we dus op internationaal vlak zien, ook te testen voor België. En we hebben daar nu een mooie bron voor. Ik heb daar juist gezegd dat de doodsoorzakenregisters in heel veel gemeentes zijn verdwenen, maar er is één heel mooie uitzondering. En dat is het doodsoorzakenregister van de stad Antwerpen. Dat is wel bewaard. En dat is bewaard van 1820 tot en met 1946. Dus dat betekent dat we voor ongeveer 500.000 personen daar de gegevens hebben over de doodsoorzaak, maar ook over de achtergrond van de mensen die zijn overleden. Dus hun beroep, hun leeftijd, waar ze wonen, hun burgerlijke staat. En dus kunnen we ook voor de Spaanse griep op basis van die bron onderzoek doen. En we zijn dus die bron nu aan het invoeren in een digitale database, want die bron werd natuurlijk manueel ingevuld. En we doen dat met een citizen science project, dus een crowdsourcing project, waar we dus met vrijwilligers die gegevens aan het invoeren zijn. We zijn gestart eind oktober en we zijn nu ongeveer, wat zijn we nu, april, zitten we ongeveer het 70% invoer, dus het gaat heel snel. Mensen zijn heel enthousiast, we zitten aan nu ongeveer een 650-tal invoerders. Dus dat loopt heel goed, we zijn heel enthousiast. En wie graag nog meedoet, dat kan uiteraard ook. En het toeval wil, en dat is nu echt toeval, deze week zijn we gestart met het invoeren van de gegevens van het jaar 1918. Dus als je dus inschrijft via SOS Antwerpen, dan krijg je onmiddellijk een pagina uit zo'n doodsoorzakenregister en je kan dus die gegevens invoeren in dat invoerplatform. Ja, dus je vindt dus per persoon de naam, de voornaam, het beroep, burgerlijke staat, dat loopt nog verder en dan vind je ook hier ergens de doodsoorzaak. Ja. Dus op basis van die gegevens op individueel niveau gaan we heel mooi onderzoek kunnen doen naar de verschillen in sociale klasse, maar ook leeftijd en geslacht. Ja. Dus dat is eigenlijk een unieke bron en we zijn daar heel dankbaar en we gaan daar ook heel dankbaar gebruik van maken in de toekomst. Welke maatregelen werden te tijden van de Spaanse griep genomen? Wel, uiteraard, de medische kennis was toen nog beperkt. Aanvankelijk stelde men ook, dat is herkenbaar, quinine voor als mogelijke oplossing, als geneesmiddel voor de Spaanse griep. En allerlei soorten middeltjes om de symptomen weg te nemen. Onder andere bijvoorbeeld ook wat je hier ziet, dat is een advertentie uit de Gazet van Antwerpen uit 1919. Stelt men voor om te roken, omdat dat de keel goed ontsmet. Dus allerlei pastillen. Dat is niet enkel bij de Spaanse griep het geval, maar ook bij andere epidemieën en andere ziektes, dat je allerlei geneesmiddelen ziet geadverteerd. De identificatie, ook al zitten we in de periode van de bacteriologische revolutie, dus men kent het principe van bacteriën en virussen op dat moment wel, maar de identificatie van het griepvirus dateert pas uit de jaren 1930, dus nadien.
En de ontdekking van een vaccin was een tiental jaren later. Dus men had toen nog geen vaccin ter beschikking. Welke maatregelen werden genomen? Wel, als je kijkt naar de informatie, ik heb het al gezegd, de notulen van de ministerraad. Als je kijkt naar de parlementaire handeling, daar is daar eigenlijk geen sprake van een beleid. Ook niet als je kijkt naar informatie over de Duitse bezetter. Als je kijkt naar wat er in de legerarchieven wordt vermeld, gaat het eigenlijk over het louter isoleren van patiënten, zorgen ervoor dat de soldaten goed gevoed worden, dat er voldoende drinken wordt aangeboden, dat ze goed gekleed zijn, maar verder dan dat gaat het niet. Als we dan kijken naar op lokaal niveau, kijken we naar de gemeenteraadsverslagen voor degenen die bewaard zijn, dan krijgen we heel gemengd beeld. Er zijn steden waar er geen maatregelen werden genomen. Luc François heeft dat onderzocht, dan vind je geen duidelijke maatregelen. Dan zijn er steden die duidelijke aanbevelingen doen, zoals Brugge. En er zijn er ook die echt onmiddellijk actie nemen, zoals Brugge. Maar Brussel. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel informatie waarop we ons kunnen baseren. Het gaat in principe over krantenartikels die we kunnen gebruiken en rapporten van de gemeenteraad die we kunnen gebruiken. Dus ik heb hier een aantal fragmenten uit de kranten geplaatst. Je ziet hier bijvoorbeeld uit de Belgische standaard van 7 augustus in 1918. En als je nog herinnert, die grafiek van Brussel. Er was toen een piek al in juli 1918 van het aantal doden. En men heeft toen eigenlijk ook onmiddellijk een aantal scholen gesloten. Dus als je hier ziet, ook te Brussel heeft zich de geheimzinnige ziekte geopenbaard. Daarop is door de overheid voorzichtigheidshalve bevel gegeven 2 scholen te sluiten. Vooral het zuiden des lands, Charleroi, Bergen en Namen worden enorm geteisterd. Verscheidene fabrieken hebben wegens tijdelijk gebrek aan arbeiders het bedrijf moeten sluiten. Dat is augustus 1918. September 1918 vind je hier voor Namen bijvoorbeeld, waar men schrijft dus dat men dus de theaters heeft moeten sluiten, music halls enzovoort. Dus daar ook wordt er onmiddellijk actie genomen. Kijken we in het midden van de tweede golf. Er zijn hier een aanplakbiljet uit Brugge uit november 1918, waar je hier een overzicht krijgt van de voorzorgsmiddelen die aanbevolen worden door de geneeskundige commissie van Brugge. Dus het gaat over aanbevelingen. In hoeverre dat die aanbevelingen ook effectief werden toegepast of verplicht waren, daar hebben we op dit moment nog geen goed zicht op. Maar als je kijkt naar de eerste aanbevelingen, dan gaat het eigenlijk over algemene principes van het isoleren van patiënten, ervoor te zorgen dat mensen goed gevoed zijn, voldoende drinken krijgen, belangrijk dat de kamers worden geventileerd en desinfecteren. En belangrijk is ook nummer 10, alle vergaderingen en samenscholingen vermijden. En tenslotte ook nummer 12, alle scholen der stad van de hoogste tot de laagste voor een onbepaalde tijd te schorsen. Maar dat gaat over voorzorgsmaatregelen. En dat is ook wat je hier gelijkaardig vindt in Namen. Daar vind je ook gelijkaardige aanbevelingen. Maar er zijn er uiteraard ook steden die onmiddellijk tot actie overgaan. En hier voor de Leuvense collega's, november 1918, duidelijk vermeld in de krant dat de scholen zijn gesloten. Dus na de gemeentescholen hebben thans ook de gestichten voor middelbaar onderwijs, evenals de vrije scholen, haar poorten gesloten. Ja. Dus ook de spektakelzaken worden, de cinema's worden gesloten. Dus men gaat hier onmiddellijk in die tweede golf tot actie over. Maar we hebben eigenlijk nog geen beeld, goed beeld op dit moment van in welke steden werd er wel tot actie overgaan en welke niet. Dat hebben we bijvoorbeeld wel voor de Verenigde Staten. Daar is al heel wat onderzoek over gedaan. En dan zie je eigenlijk wel dat daar men een stuk verder is ingegaan. Er is een heel mooie studie gedaan in 2007 door Mark Kroll, een aantal epidemiologen, ook in samenwerking met historici. Hebben 43 steden in de Verenigde Staten dus onderzocht tussen september 1918 en februari 1919. En je ziet hier een overzicht van de maatregelen die in die steden werden genomen. Dus in eerste instantie isolatie, het sluiten van scholen of een samenscholingsverbod. En in sommige steden werden die gecombineerd. Dus wat was de meest voorkomende maatregel in die Amerikaanse steden? Was het sluiten van scholen en een samenscholingsverbod. Ja. Dat was in de meerderheid van de gevallen. En men heeft ook berekend hoe lang
die maatregelen plaatsvonden. Dus het gaat hier over de median duration, dus de mediaan. Hoe lang duurde dat? De mediaan is ongeveer 4 weken. Dus ongeveer een maand werd dat in de meeste steden toegepast. En de conclusie van die studie is dat waar men het vroegst is begonnen met die maatregelen toegepast, dat de sterfte daar ook lager was. Dus het gaat vooral over wanneer men start met het nemen van maatregelen. En niet zozeer de lengte ervan, maar wel de start ervan. Dat is eigenlijk de conclusie van die studie. En dan kom ik tot mijn voorlaatste slide, dan ben ik er bijna door. Dus als er geen coherent beleid is, en we zien hier heel veel verschillende maatregelen op lokaal niveau die worden genomen, ja, hoe komt het dan dat die epidemie, die pandemie is verdwenen? Wat zijn dan de mogelijke oorzaken dat die Spaanse griep uiteindelijk verdwenen, of de epidemie in elk geval gestopt is? Het griepvirus is uiteraard blijven fluctueren of circuleren, excuseer. Dus wat zijn dan de mogelijke oorzaken daarvan? Wel, er zijn er drie die eigenlijk meestal worden in de literatuur worden vermeld. Namelijk het einde van de Eerste Wereldoorlog, dus dat er minder bewegingen zijn van de oorlogs, dus van de troepen, en dat er ervoor gezorgd is dat het virus minder circuleert. De immuniteit die groter is geworden. Sophie gaat het daar straks over hebben, want dus typisch voor die Spaanse griep is dat er wel een heel hoge morbiditeit is, dat er veel zieken is, maar in vergelijking misschien wel een beperkt aantal of een relatief kleiner aantal, lager aantal of een lagere mortaliteit. En dan een derde reden is een mutatie van het virus. Dus dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken voor België. Waar gaan we nu in de toekomst naartoe? Wat zijn de mogelijkheden? Wel, we hebben het geluk, of niet geluk, we hebben er hard voor gewerkt, dat we een onderzoeksproject kunnen starten samen met de collega's van de Universiteit van Antwerpen en de UCL, het departement demografie. Onder leiding van Tim Soens gaan we een onderzoek doen naar epidemieën in België tussen de pest en COVID-19. Dus we gaan 5 epidemieën met elkaar vergelijken. De pest, dus de middeleeuwse pest, de vroegmoderne dysenterie, de cholera in 1866 en de Spaanse griep in 1918 en tenslotte COVID-19. Dus we gaan een vergelijking maken tussen de sterfte en ook de maatregelen die tijdens die vijf epidemieën werden genomen. Dus wat staat er nu een beetje op de planning? Wat denk ik dat er mogelijk is voor EpiBel de volgende maanden en jaren? Op basis van de bronnen die we hebben, we gaan een chronologie kunnen maken van de oversterfte per week en per dag voor 1918 en 1919 voor verschillende Belgische steden. Dus op die manier gaan we een beter zicht krijgen op de verspreiding binnen België. We gaan ook een geografie kunnen maken van die Spaanse griep in 1919, want daar hebben we dus aan de hand van die mouvement heel specifieke cijfers. Maar het is ook belangrijk dat we ook rekening houden met die comorbiditeit. Dus we weten dat die Spaanse griep ook een verhoging van andere doodsoorzaken veroorzaakt. Dus het is ook belangrijk om dat te bekijken in relatie tot tuberculose. En aan de hand van SOS Antwerpen, ons Citizen Science project, gaan we dus het profiel van de slachtoffers van de Spaanse griep beter kunnen bestuderen. En wat heel belangrijk is, dat we ook nu op lokaal niveau gaan beter inzicht proberen krijgen in, aan de hand van de bewaarde gemeenteraadsverslagen, welke maatregelen er werden genomen en zien in hoeverre dat die in relatie staan met de oversterfte. Dus dat is een beetje een stand van zaken voor België wat betreft de Spaanse griep. Sophie gaat nu... En normaal gezien, ik ga mijn scherm stoppen met delen, maar Sophie gaat nu meer de mondiale context toelichten en ook de epidemiologische achtergrond. Sophie, zit dat wat? Voilà, je pense que vous devez voir mes dias à présent. Ja, we kunnen zien. Oui. Parfait, en plein écran aussi. Merci Isabelle. Merci Isabelle pour la première partie et puis merci à la Fondation universitaire de nous avoir donné la possibilité de venir faire cette présentation. Et donc, ce que je vais faire dans cette deuxième partie, c'est de peut-être un petit peu prendre du recul et essayer de nous donner quelques outils de lecture en fait pour la pandémie de la grippe espagnole
d'une façon générale, et alors essayer d'identifier quelques points qui sont particulièrement pertinents ou au contraire différents pour la Belgique. Donc effectivement, comme Monsieur Willems l'a indiqué tout à l'heure, je suis géographe et donc ce que je vais vous présenter est très fort influencé par la vision des géographes sur le monde, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde, en tout cas j'espère. Alors, vous aurez sans doute compris que sur base de la présentation d'Isabelle, elle n'a pas du tout parlé des masques, et donc vous pouvez peut-être vous demander pourquoi cette image apparaît avec cette série d'infirmières masquées. Donc, si vous lisez la légende, vous voyez que cette photo a été prise aux États-Unis. Donc, dans des pays comme les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, les masques sont devenus un élément central de la vie des gens pendant la période de la pandémie. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout en Belgique, et comme dans d'autres endroits du continent européen, où cet outil-là n'a pas percé. Mais par ailleurs, en fait, il y a assez peu de documents photographiques de la présence de l'épidémie en Belgique. Et donc voilà, quand on veut mettre des illustrations, on doit un petit peu se rabattre sur d'autres images ou des images de d'autres régions qui ont ce côté un peu plus frappant et qu'on a moins en Belgique. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore été mis au jour s'ils existent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la présentation? Ben, d'abord, on va reprendre quelques éléments généraux sur les virus influenza, quelques éléments sur le virus de 1918-1919, et puis quelques éléments génériques qui vont nous servir de clé de lecture, comme je le disais tout à l'heure, sur l'épidémiologie des maladies respiratoires. Et puis alors, on va prendre une série d'exemples qui proviennent de différentes régions. On va regarder un petit peu les tendances à l'échelle globale. On va regarder une série d'exemples qui portent sur l'Australie et le Royaume-Uni. Et puis, on regardera quelques éléments plus particuliers pour la Belgique. Alors aujourd'hui, en fait, on en sait beaucoup plus sur les virus de type influenza, les virus en général, mais les virus de type influenza que ce qu'on savait à l'époque, hein, Isabelle l'a mentionné aussi. Et on en sait aussi beaucoup plus sur le virus de 1918-1919 qui a pu être identifié et analysé aussi dans son profil génétique grâce à des échantillons biologiques qui avaient été conservés en fait, de patients décédés pendant la pandémie. Alors, comme l'essentiel des virus influenza, si pas la totalité, ce virus trouve son origine dans l'avifaune et en particulier l'avifaune aquatique. Donc, au sein de cette faune sauvage d'oiseaux, circule en fait toute une série de virus influenza qui, à la faveur du fait qu'ils se côtoient en fait dans ces organismes, vont parfois échanger des pans entiers de leur patrimoine génétique. Et ces nouveaux virus peuvent avoir la capacité d'infecter d'autres organismes. Alors, pour ce qui nous préoccupe principalement, les organismes en question d'intérêt sont l'espèce humaine et éventuellement les espèces domestiquées qui peuvent servir d'étape en fait aussi dans ce processus. Alors, une fois que ces nouveaux virus influenza atteignent l'espèce humaine, mais ils vont continuer en fait à changer de façon plus graduelle principalement et potentiellement donner lieu à ces changements de morbidité, de mortalité tels qui ont été évoqués tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment évidemment quelque chose qui nous préoccupe. Cet élément-là est important, mais ceci est vraiment ce qui constitue le centre de la question de l'épidémiologie des virus influenza. Donc le virus de la pandémie de 1918-1919, de grippe dite espagnole, son identité hein, de virus influenza, c'est un virus de influenza de type A, H1N1. Et donc ces lettres et ces chiffres donc, qualifient en fait les protéines qui se trouvent à la surface du virus et qui nous permet en fait de distinguer ces différents virus influenza. Alors, il y a différentes hypothèses qui circulent sur l'origine de ce virus, donc l'origine étant identifiée comme cet événement-ci.
représentée ici par la flèche orange. Et chacune de ces hypothèses a un certain nombre d'arguments qui plaident en sa faveur ou au contraire qui plaident pour l'éliminer. Alors en réalité, la question de l'origine est pas nécessairement centrale à la question de la diffusion et du processus épidémiologique tel que défini comme la diffusion de ce virus dans la population, l'épidémie en tant que telle. Alors ça c'est parce qu'il faut distinguer en fait deux processus ici qui sont d'intérêt. Un premier processus qui est le processus d'émergence, donc ça c'est ce débordement, ce spillover comme on l'appelle en anglais, d'un virus aviaire qui va devenir à un moment donné un virus humain. Sur le plan de la diffusion dans la population, donc l'épidémie en tant que telle, on est sur le processus de diffusion. Alors aujourd'hui, il y a un consensus assez large dans la littérature qui se préoccupe de cet événement pour dire qu'en fait, le virus, une fois qu'il a atteint l'espèce humaine, il s'est très rapidement diffusé à l'échelle globale de façon relativement silencieuse, donc suffisamment silencieuse pour qu'on ne le distingue pas initialement, en tout cas, des virus saisonniers, de l'influenza, la grippe saisonnière hein, qui nous est familière, et que donc en fait très rapidement, via des introductions très nombreuses, au début de l'été, pendant l'été 1918, le virus a atteint une distribution globale. Alors pour nous outiller, hein, on va faire appel en fait au modèle classique qu'on appelle le modèle SIR, donc S pour susceptibles, les personnes susceptibles qui n'ont pas d'immunité pour la maladie qui nous intéresse, infectious, infectieux, et R, removed ou recovered, c'est-à-dire décédé ou guéri, mais ne pouvant plus prendre part au processus de transmission, par exemple via l'acquisition de l'immunité. Alors, ce qu'on est en train d'observer ici et qu'on va détailler un peu plus dans un instant, c'est une version conceptuelle pour un petit peu organiser notre réflexion. Mais ce schéma reste à la base, en fait, depuis des décennies pour l'essentiel des modèles épidémiologiques tels qu'on les utilise encore aujourd'hui. Alors avec là derrière potentiellement beaucoup plus de détails et des développements mathématiques qui ont atteint un degré de complexité assez épatant, mais qui sont toujours articulés autour de ce principe général. On ne va pas aller plus loin. Pour nous, il suffit de comprendre deux choses. Alors la première chose, c'est que dans ce modèle, la population est divisée en trois catégories. Donc ce sont ces catégories S, I et R qui sont représentées ici par les trois boîtes. Alors, chaque membre de la population appartient à tout moment à l'une de ces trois boîtes et uniquement une de ces trois boîtes. Donc on peut diviser la population en trois catégories, celles qui sont représentées ici. Deuxième élément, c'est les processus qui vont amener les membres de la population à passer d'une catégorie à une autre catégorie. Alors, premier processus de transition ici, qui est exprimé par le taux B ici, donc on peut trouver d'autres annotations, vous en avez peut-être déjà rencontré d'autres, peu importe. Alors, qu'est-ce qui va déterminer ce taux de transition ici? On va avoir d'une part des caractéristiques qui sont propres aux pathogènes qui nous préoccupent, donc son degré de contagion par exemple. Et alors l'autre élément important à considérer ici, c'est quelles sont les particularités de ce processus qui font que les contacts entre les membres de la population peuvent mener à une infection. Donc les gens interagissent dans leur quotidien de différentes façons. Est-ce que ces contacts que les gens entretiennent sont favorables ou défavorables à ce processus de contagion? Alors, deuxième taux de transition qui nous intéresse ici, c'est le taux de guérison qui va être déterminé par le taux de décès et le taux de guérison, donc le temps en fait que les gens vont passer ici dans cette catégorie des infectieux.
Alors l'intérêt ici d'examiner ces taux de transition, c'est parce qu'en fait ce sont des éléments sur lesquels potentiellement on peut agir. Alors ça dépend évidemment du pathogène qu'on va considérer, mais on peut citer quelques éléments qui sont pertinents ici pour le cas qui nous occupe. Pour affecter le taux de transmission, donc ce paramètre B, donc a priori on voudrait le diminuer, on ne peut pas changer les caractéristiques de la maladie, mais par contre on peut agir sur deux éléments, un premier élément étant la diminution du nombre de contacts au sein de la population, et un deuxième élément c'est d'essayer de diminuer la probabilité qu'un contact, quand il a lieu, donne lieu à une infection, donc au processus de contagion entre une personne infectieuse et une personne susceptible. Et voilà, pour le moment, on est tous assez familiers, malheureusement, avec ces interventions. Alors, sur le taux de guérison, donc on peut essayer d'agir sur ce taux de guérison, donc de faire en sorte que les personnes qui se trouvent dans cette boîte-ci vont la quitter plus rapidement. Alors, pour les maladies virales, c'est un petit peu délicat, mais il y a d'autres maladies sur lesquelles, effectivement, on peut traiter la personne infectieuse, et au niveau de la population, ça peut avoir un effet positif parce qu'on va diminuer, en fait, les sources de contagion au sein de la population. Alors, je vous l'ai dit, on va introduire l'espace ici dans ces considérations. Alors ici, on va essayer de réfléchir, donc là où le modèle SIR va réfléchir de façon parfaitement agrégée, donc dans sa version simple de base, celle qu'on examine aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas de distinction entre les différents membres de chacune des boîtes qui sont considérées, mais dans l'espace, évidemment, on peut observer un certain nombre de nuances et envisager que ce processus de diffusion va s'effectuer sous forme d'une vague, pas seulement dans la population, mais aussi dans l'espace. Alors, pour considérer ça, on envisage ici un exemple parfaitement hypothétique, mais avec une origine de l'épidémie qui se situe ici. Donc on est par exemple là. Alors, dans cette population qui se trouve à l'origine spatiale de l'épidémie, on va observer une allure de vague épidémique qui a une intensité très forte et une durée potentiellement un peu moins longue. Donc, quand on se déplace sur cet axe, on voit le temps. Alors, on s'éloigne de ce point d'origine, donc on parcourt de la distance à partir de ce point d'origine. Ce qu'on va souvent observer, donc c'est une vue générale hein, et un peu conceptuelle, comme je vous le disais, ce qu'on va souvent observer, c'est qu'on va avoir des vagues qui ont une intensité moins grande, qui démarrent avec un certain délai et qui vont potentiellement avoir une durée plus longue. Donc, différents éléments ici d'intérêt. Alors, ça, c'est ce qu'on voit exactement sur ces données qui émanent, elles aussi, de l'épidémie de grippe dite espagnole en Inde. Alors, l'Inde est un des pays dont on dit qu'il a été le plus durement touché par cette pandémie. Certains auteurs parlent de 18 millions de décès qu'on peut associer à la pandémie. Donc vraiment des circonstances assez frappantes. Alors on considère que Bombay est la ville d'introduction du pathogène, probablement via le retour de troupes britanniques. Et donc on voit effectivement qu'à Bombay, on a un pic vraiment très très prononcé, tandis qu'à Calcutta, une ville distante où la maladie a fait son apparition avec un délai d'environ 2 semaines, on a une durée qui est plus longue, un pic qui est moins haut, moins prononcé. Alors évidemment, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, on va en évoquer tout à l'heure via les exemples dont on discutera, mais voilà un exemple empirique, si vous voulez, où on va observer ce schéma qu'on vient d'évoquer sur une base plus abstraite. Alors, qu'est-ce qui peut faire en fait que d'une localité à l'autre, on va observer cette différence dans l'allure de la vague épidémique? Alors, il y a deux éléments intéressants à examiner ici dans notre fameux modèle SIR pour essayer de comprendre les différents phénomènes qui peuvent être à l'œuvre. Alors, le premier élément, c'est le volume de membres susceptibles de la population.
Alors, un élément qui n'est pas nécessairement pertinent pour la pandémie de grippe espagnole, mais qu'on peut mentionner ici, c'est qu'en fait, il existe potentiellement, ça dépend des pathogènes, un moyen de diminuer le volume de susceptibles qu'on peut considérer en fait comme le carburant pour l'épidémie. On peut faire passer les membres de cette catégorie directement à la catégorie des personnes immunisées. Et ça, c'est la vaccination. Alors, ce n'était pas à l'ordre du jour, comme Isabelle l'a mentionné. Par contre, si on part d'un schéma général où l'introduction du pathogène se fait dans un lieu relativement densément peuplé, où cette introduction est en fait plus probable, au fur et à mesure que la vague se déplace, ben, elle va rencontrer des localités qui sont en fait moins peuplées. Donc typiquement, arriver dans une zone densément peuplée urbaine et puis déplacement vers des zones qui sont moins densément peuplées, des zones rurales, où du coup le volume de personnes susceptibles est moins grand. Alors deuxième élément qui peut nous intéresser ici, c'est ce paramètre B, donc le taux de transmission. Et donc via l'introduction de mesures, ce qui est permis par le délai, hein, les zones plus distantes disposent d'un délai plus ou moins long pour anticiper l'arrivée du pathogène et mettre en place toute une série de mesures potentiellement. Alors ici, en fait, donc clairement cet élément-là peut jouer, on en verra des exemples. Par ailleurs, on peut aussi envisager le fait que sur base de l'expérience des lieux déjà touchés, les personnes vont en fait spontanément adapter leur comportement et peut-être éviter les contacts, diminuer les contacts ou mettre en place un certain nombre de mesures de précaution, même en l'absence de mesures. Mais bon, tout ça pour dire que le comportement individuel peut avoir un effet potentiellement ici sur ce taux de transmission, même en l'absence de mesures particulières qui seraient prises à cet égard. Alors, dernier outil qu'on peut rajouter à nos outils de lecture pour décortiquer un petit peu ce processus de diffusion et notamment sur le plan spatial, c'est utile de distinguer différentes échelles spatiales et d'examiner le processus à ces différents niveaux. Alors, un premier niveau qu'on peut évoquer et qui est celui peut-être dont on a le plus d'expérience sur le plan empirique, c'est le niveau de la contagion. Donc on parle ici vraiment du niveau local, le niveau de la communauté au sein de laquelle le virus peut circuler à la faveur des contacts entre les individus tels qu'ils se produisent dans la vie de la communauté. Un deuxième niveau qui est intéressant à considérer, c'est le niveau plus régional, où plutôt que de considérer les membres d'une communauté, on va considérer les interactions qui existent au sein d'une série de communautés qui interagissent de façon régulière. Alors les géographes pensent assez facilement ou pas instinctivement, je pense pas que c'est le bon mot, mais c'est quelque chose qui est très présent, je vais dire, à l'esprit des géographes et même en dehors des considérations d'épidémiologie spatiale, puisque parmi les modèles classiques de la géographie, on va retrouver des modèles qui réfléchissent à l'organisation en hiérarchie des villes, avec une ville très importante au sommet d'une hiérarchie, donc typiquement la capitale, qui entretient une série de relations plus ou moins intenses avec des villes de moindre importance, qui elles-mêmes sont des centres de services pour d'autres agglomérations plus petites qui se situent autour d'elles. Alors ici, donc on s'intéresse bien à la question de l'interaction entre, bon, pour le dire simplement, des centres urbains ou des centres d'habitat, mais on peut l'envisager de différentes façons. Hein. Les villes, c'est un peu le cas typique, mais on peut l'envisager pour d'autres types de structures également. Et donc, les processus de diffusion sont aussi étudiés selon ces structures-là. Alors,
Le plus évident auquel on peut penser, c'est certainement un mouvement qui va du sommet de la hiérarchie vers les niveaux inférieurs de cette hiérarchie, mais on peut tout à fait aussi envisager un mouvement qui va partir des niveaux inférieurs de la hiérarchie pour graduellement remonter vers les niveaux supérieurs de la hiérarchie. Il y a un exemple qui est parfois cité pour quelque chose comme ça, puisque la diffusion s'intéresse à toutes sortes de processus, y compris les modes. La mode des Beatles, par exemple, est parfois mentionnée comme un processus de hiérarchie, de diffusion hiérarchique, pardon, qui va d'un niveau inférieur vers les niveaux supérieurs de la hiérarchie. Alors, troisième échelle qui est intéressante à considérer, c'est cette fois-ci une échelle vraiment globale et qui va s'intéresser à des mouvements vraiment de très longue portée et qui vont être intéressants à examiner pour l'introduction du pathogène vers des régions qui sont distantes et indemnes. Donc ici, de nouveau, on est dans un autre type, d'échelle et un autre type de processus de considération en termes donc plus d'introduction cette fois-ci dans des zones indemnes. Alors on va commencer par une vue globale. On va se concentrer sur les deux premières vagues. Alors première carte ici sur le sommet de la DIA, la première vague, alors qui est représentée ici comme partant d'Amérique du Nord et se diffusant d'abord vers l'Asie et vers l'Europe et puis au sein de ces continents-là graduellement au cours du printemps et du début de l'été de façon plus sous forme de taches d'huile, pour le dire simplement, une fois que c'est arrivé sur ces nouveaux continents. Alors, on pourrait se demander si cette origine ici, donc dans la manière dont c'est représenté sur cette carte-ci, le point de départ est dans le Midwest américain, et donc on pourrait se demander est-ce que ça c'est un indice qui pointe vers une des hypothèses pour l'origine, à savoir un camp militaire dans la région du Kansas. Alors, on pourrait effectivement l'interpréter comme ça, mais on pourrait aussi relever le fait que ça peut être dans cette région que le signal de quelque chose qui n'était pas tout à fait comparable au signal habituel de la grippe saisonnière, qui était quelque chose de différent, a été relevé ou remarqué de façon la plus frappante dans cette région-là à ce moment relativement précoce dans l'année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, et ce que Isabelle a présenté pour la Belgique illustre bien cette difficulté, et en particulier pour les premières phases de la vague où la mortalité est moins élevée et où donc le signal quantitatif d'un événement inhabituel sur le plan épidémiologique est moins fort. Donc la deuxième vague, comme on peut le dire, comme on l'a dit, pardon, un taux de mortalité beaucoup plus élevé que la première vague. Alors ce qu'on voit sur la deuxième carte, donc c'est de toute façon plus remarquable en termes de signal. Alors ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'effectivement il y a des points de démarrage qui sont, si pas simultanés, en tout cas très très proches dans le temps. Par exemple ici, qu'on voit aussi bien que tous les continents sont touchés, et que la diffusion est large, vraiment très, très étendue, elle touche vraiment toutes les régions, et elle s'étend de façon vraiment très, très rapide aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi important à relever, mais comme on l'a déjà mentionné, la question de la temporalité ici, donc on est à la période octobre-novembre, donc c'est un moment où il y a pas mal de mouvements, en lien avec les mouvements associés au conflit notamment. Alors, ce type de carte globale est intéressant à examiner, on y voit beaucoup de choses, on peut se faire une image générale du processus, mais alors par contre, ça ne doit pas nous faire perdre de vue que ces grandes tendances, en fait, peuvent dissimuler une grande, grande hétérogénéité au niveau
du phénomène, si on le désagrège, donc si on l'examine plus en détail sur le plan spatial et sur le plan temporel. Donc dès qu'on commence à regarder plus en détail pour un pays, pour une région en particulier, pour une population en particulier, ce qu'on va voir, c'est qu'on a énormément d'hétérogénéité. Donc bien sûr, cette hétérogénéité s'assemble pour former ces grandes tendances qui sont relativement cohérentes, mais à des niveaux plus fins, on peut avoir des choses qui sont assez contrastées, d'où l'intérêt nouveau de réfléchir potentiellement à différents niveaux d'échelle. Donc le graphe qu'on a ici est une illustration en fait de caractère hétérogène qu'on peut rencontrer. Donc ce graphe est tiré des données de l'armée française, américaine et britannique. Alors ça nous montre en fait la proportion de décès qui ont été associés à la grippe sur la période qui va de août à novembre ici. Donc à quel moment est-ce que la plus grande proportion se produit, et on voit que la temporalité est assez différente. Alors le moment du pic est proche pour l'armée française et américaine et différent pour l'armée britannique, alors que ces armées se sont côtoyées énormément, et ça reflète en fait le fait qu'elles se côtoient dans l'espace, mais pas forcément en termes d'interaction personnelle dans les corps qui sont concernés. Alors on en vient à quelques éléments qu'on va développer un petit peu, et ici en fait on va tirer profit d'un domaine qui s'appelle l'épidémiologie insulaire et qui a l'avantage de s'intéresser aux îles qui de tout temps, on le sait, dispose d'un avantage significatif dans la gestion des épidémies, c'est que s'isoler quand on est une île et tirer parti du délai qui peut exister entre le point de départ et l'arrivée dans une autre région, ces deux éléments-là, pour les îles, sont beaucoup plus accessibles que pour d'autres régions, comme par exemple la Belgique. Donc l'Australie est une de ces localités donc qui rentre dans cette définition, hein, comme vous vous en doutez. Et effectivement, pour les circonstances, qui nous occupent, bien que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle voient des changements vraiment très très importants dans les temps de voyage, donc le temps que ça prend en fait pour aller d'Angleterre, par exemple, à l'Australie, en fait, pour la période qui nous intéresse, on est quand même encore sur des durées qui font plusieurs dizaines de jours. Et donc ça donne à l'Australie en fait un avantage important. Ça va donner aux autorités sanitaires la possibilité de s'organiser avant l'arrivée du gros, principalement des troupes qui sont de retour d'Europe. Et donc effectivement, c'est ce que l'Australie va mettre en place. Donc elle établit une quarantaine pour les navires qui arrivent à partir du mois d'octobre 1918. Et sur les 228 navires pour lesquels les données ont traversé les époques et ont été analysées, 79 navires se sont présentés avec des cas de grippe à bord. Alors personne n'est autorisé à quitter le navire dans ces cas-là jusqu'à ce que l'épidémie soit éteinte et que cela soit confirmé. Donc l'idée ici, c'est vraiment on fait en sorte que ces introductions ne puissent pas se produire via les arrivées de navires portant des personnes potentiellement infectées. Alors bien que cette mesure n'ait pas été complètement infaillible, on voit quand même qu'elle a eu un effet très très important. Donc si on compare à la Nouvelle-Zélande qui n'a pas mis en place ces mesures strictes de quarantaine, l'apparition de la grippe se produit beaucoup plus tard en Australie, dans la région de Melbourne, et encore plus tard dans la région de New South Wales, et où on voit de nouveau le schéma qu'on voyait tout à l'heure, avec des pics moins élevés, des pics retardés, et qui vont avoir des durées qui sont un petit peu plus longues. Alors au niveau de la contagion hiérarchique, à un niveau plus régional au sein d'une série de communautés,
L'Australie a drastiquement diminué sur cette période-ci les communications maritimes et ferroviaires avec les provinces occidentales et du nord de l'île, et on voit que là, à nouveau, on a un délai et un aplatissement de ces courbes. Alors, une chose qui n'est pas représentée sur ce graphique, mais qui me semble quand même intéressante à mentionner, c'est que les populations aborigènes en Australie et dans d'autres régions du Pacifique Sud ont été extrêmement durement affectées par la pandémie de grippe espagnole. Et il y a extrêmement peu de données, en fait, sur ces populations-là, pardon, en particulier, en tout cas en Australie. Pour Samoa, par exemple, on sait qu'il y a 20% de la population qui est décédée de la grippe espagnole. Et donc, voilà, ces courbes joliment aplaties ne permettent pas de percevoir cet élément-là, mais qui me semble mériter d'être mentionné ici. Alors, on va encore zoomer un petit peu et on va essayer d'identifier quelques éléments pertinents au niveau de la contagion, donc au niveau local, et on va se pencher pour ça sur la ville de Sydney. Donc, comme on l'a vu ici, l'épidémie démarre beaucoup plus tard dans la région, ici, dans cette province. Et donc, à Sydney, les premiers cas sont identifiés tout début février. Alors, cet élément n'est pas connu avec certitude, mais on pense que un soldat a trompé en fait le système de quarantaine. Bon, probablement pas le seul, mais a trompé le système de quarantaine et a quitté Melbourne de façon prématurée et a rendu visite à sa famille à Sydney. Alors, c'est une hypothèse, mais donc qui a pour intérêt son. Je reviendrai sur la diapositive suivante sur l'intérêt potentiel de cette possibilité. Donc la grippe fait son apparition à Sydney et donc très rapidement le gouvernement local réagit et va mettre en place toute une série de mesures. Donc comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, les masques vont faire leur apparition, ils sont obligatoires dans tous les espaces publics et toute une série d'autres mesures sont mises en place comme la fermeture des écoles et de toute une série d'autres lieux, donc théâtre, services religieux, etc. Tandis que toute une série d'autres activités par contre sont autorisés à poursuivre comme l'ouverture des commerces. Alors au bout d'environ deux semaines, voyant que rien de trop grave ne se produit, les mesures sont relevées et dans les semaines qui suivent ce relâchement des mesures, on observe une grande augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital, donc dans l'agglomération de Sydney. Face à ce constat, à cet emballement de l'épidémie, les autorités remettent en place toute une série de mesures relativement semblables à ce qui avait été appliqué. Un premier pic en tout cas est atteint, une diminution du nombre de cas et voyant cette diminution se confirmer et se poursuivre, toutes les mesures sont levées, sauf je pense le port du masque qui est en tout cas conservé début mars, fin février, début mars au premier relâchement des mesures. Alors suite à ça, une nouvelle flambée épidémique est observée durant laquelle il n'y a plus de mesures particulières ou notables, en tout cas, qui ont été prises. Alors, les auteurs de cette étude sont assez prudents sur l'association de cause à effet qu'on pourrait faire entre l'introduction des mesures ou l'absence de mesures dans le cas du premier pic et le déroulement de l'épidémie, les caractéristiques de ces deux vagues, mais relève quand même le fait que dans le premier cas, on a un pic qui est moins élevé que dans le second cas qui se produit d'une façon générale en l'absence de mesures. Alors, revenons-en à notre soldat possible qui a possiblement trompé le système de quarantaine. Cette personne aurait visité sa famille dans ce quartier, le quartier de Port Jackson à Sydney, qui aurait du coup été le point de départ de la diffusion du virus au sein de la ville. Donc,
comme je disais, c'est relativement, enfin, il n'y a pas de certitude complète autour de cette hypothèse. Et en termes de la localité de l'introduction possible, alors ce qu'on voit en fait, c'est que effectivement dans cette zone de la ville, on a un certain degré de ressemblance entre les différentes unités administratives qui sont représentées. Donc elles ont toutes un niveau relativement élevé, ce qui pourrait suggérer effectivement qu'on est au point de départ d'un processus qui se produirait plutôt en tache d'huile. Mais si on regarde de façon plus large toute l'agglomération de Sydney telle qu'elle est représentée ici, ben on voit qu'il y a quand même aussi des quartiers où l'incidence a été, de la mortalité a été très élevée, qui contraste avec des quartiers où elle a été par contre moins élevée. Isabelle a mentionné ce résultat, donc l'association ici observée à Sydney avec de l'habitat surpeuplé et le type d'emploi. Néanmoins, cette observation a été réalisée au niveau des quartiers, donc à une échelle agrégée, et donc ici ça devient assez délicat d'établir des liens de causalité, et en particulier parce que dans les quartiers où l'habitat est très dense, où les logements sont de moins bonne qualité, surpeuplés, on va retrouver préférentiellement certaines catégories d'emplois, et donc on peut constater qu'il y a une association, que c'est dans ces quartiers que la mortalité a été importante, mais d'associer de façon définitive, sur base d'une observation agrégée comme celle-ci, établir un lien de causalité est très délicat. Alors, j'ai repris cette carte qui nous représente l'Angleterre et le Pays de Galles durant les trois vagues pour illustrer cette idée des multiples introductions possibles. Donc, cette idée, alors ici rapportée à une échelle un petit peu plus limitée, mais donc que j'évoquais plutôt dans la présentation d'une diffusion qui va être réalisée via des introductions multiples à différents endroits. Si vous voyez ici sur les cartes les pastilles les plus grandes qui sont orange, la couleur n'est pas très distincte, mais la taille par contre nous permet de voir que effectivement il y a toute une série de lieux où potentiellement le virus a été introduit lors des différentes vagues. Alors évidemment, ces lieux multiples d'introduction possibles ne sont pas complètement aléatoires, donc il y en a pas mal qui sont dans les régions portuaires, donc ça c'est vraiment ce à quoi on s'attendrait. Donc il y a quand même une structure en fait qu'on peut identifier dans ces introductions possibles et les mouvements en fait spatiaux qui vont s'en suivre. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est que c'est pas toujours évident en fait de faire la distinction entre le processus de contagion, un processus qui va se dérouler de proche en proche, si vous voulez, comme une tache d'huile, ou se déplacer entre les communautés, donc potentiellement sur de plus grandes distances. Sur cette figure-ci, les auteurs ont utilisé un indice qui examine cette ressemblance entre différents lieux qui sont proches pour regarder à différents moments quel est le facteur qui semble dominer. Donc quelque chose plutôt entre les communautés ou plutôt comme un processus en tache d'huile. Partout où on est au-dessus de cette ligne en tireté, donc où le dessous de cette courbe est grisé, sont des moments où prédomine en fait le processus d'un contagion ou quelque chose qui se produit de proche en proche, si vous voulez, plutôt qu'entre des communautés qui sont en distance. Donc on a vraiment des processus multiples de diffusion qui vont se combiner, mais qui peuvent potentiellement correspondre à différents types de mesures de réponse et qui sont affectés de façon assez importante par les conditions locales, les caractéristiques géographiques et démographiques de ces processus, avec l'élément mentionné à différentes reprises de la temporalité en fait par rapport à d'autres phénomènes comme la démobilisation des troupes. Alors tous ces moyens vraisemblablement sont poreux à un certain degré, mais potentiellement peuvent tous avoir contribué à aplatir la courbe, expression qui nous est désormais familière. Alors, quelques éléments sur les travaux de Benjamin Brulard que Isabelle mentionnait tout à l'heure. Donc, ces travaux sont basés sur des données de population et sur des journaux, hein, comme ça a été mentionné. Alors, pour la première vague, Benjamin Brulard
propose l'hypothèse d'un mouvement de diffusion spatiale qui irait du sud-ouest vers le nord-est ou de l'ouest vers l'est. Les diaristes, donc une diariste notamment mentionne une maladie allemande, mention qui est faite à une date qui est antérieure à l'apparition dans les journaux de la grippe espagnole. Alors évidemment, c'est un caractère complètement anecdotique, mais c'est aussi interpellant par rapport à l'origine spatiale, si vous voulez, et via quel groupe dans la population aussi le virus aurait pu rentrer. Alors, les caractéristiques de cette vague sont plus délicates à observer puisque la mortalité a été plus basse. Et comme Isabelle le mentionnait, on trouve trace aussi via les journaux de guerre, de recommandations qui sont faites d'interdiction, mais effectivement qui émanent plutôt du niveau local. Et alors il y a aussi mention de fermeture d'écoles, mais qui sont parfois simplement liées au fait que la plupart des enfants étant malades, on a juste décidé qu'on allait fermer l'école et ne pas faire venir les 5 qui sont pas malades. Alors pour la seconde vague, la mortalité plus importante permet d'identifier un signal un petit peu plus fort, donc qui est représenté ici à nouveau sur la carte, donc à nouveau un mouvement plutôt sud-ouest-nord-est, mais qui se produit, et Isabelle l'a mentionné concernant la ville de Mons, qui se produit à un moment où il y a d'importants mouvements de troupes et de civils, et notamment les évacués. Alors clairement pour la Belgique, si on s'intéresse à cette pandémie, on doit vraiment prendre en compte la diversité des mouvements, la diversité des populations et aussi la diversité des espaces, donc la région du front, la région de la zone des étapes et la région du gouvernement général, la zone occupée, qui répondent toutes à des fonctionnements qui sont un peu différents et à des fonctionnements aussi différents, notamment en termes de mouvements de population. Alors, comme Isabelle l'a mentionné, il y a un vrai défi au niveau de la disponibilité des données, du type de données qui sont disponibles, qui nécessitent en fait de passer par une approche qui est vraiment très désagrégée au niveau de l'espace et du temps. Mais clairement, il y a un grand potentiel qui existe aujourd'hui avec la digitalisation de toute une série de sources de données pour vraiment identifier de façon beaucoup plus spécifique et vraiment gratter dans cette question sur quelles sont les caractéristiques de la diffusion de la grippe espagnole en Belgique. Mais clairement, les observations dont on dispose aujourd'hui pointent vers un processus qui a un certain degré de complexité et d'hétérogénéité aussi. Mais la situation unique de la Belgique promet aussi de rajouter des éléments très pertinents au corpus de connaissances qui existent au niveau global sur cet événement historique. Et dont les travaux en progrès, on l'espère, vont pouvoir réaliser cet ajout aux connaissances. Voilà, ben merci pour votre attention et je suis sûre que Isabelle et moi, on sera ravis de prendre vos questions maintenant.